Chers amis, il y a un an, lors de mon installation à la présidence de notre compagnie, j'avais fait un certain nombre de projets. Cette année a été riche, je l'ai vécu pleinement. Alors, je ne veux pas reprendre le programme qui a été parfaitement présenté par nos secrétaires annuels Jean-François Mercier et Michel Germain il y a une semaine. Je voudrais mettre l'accent sur les enseignements principaux des thèmes abordés, tels que je les ai perçus, et sur les conclusions que j'en ai personnellement tirées. Alors, revenir sur le passé n'est jamais très porteur, et à dessein, je n'aborderai que quelques sujets qui m'ont paru pouvoir correspondre à un message de l'Académie. Alors, nous avons pu constater ensemble que la chirurgie ambulatoire, cette nouvelle manière de concevoir les soins en chirurgie, a un champ d'indications opératoires qui s'est nettement élargi. Elle impose une chirurgie de grande qualité. Les règles et les contraintes sont strictes. Quelques inquiétudes avaient pu apparaître au mois de septembre dernier qui pouvaient remettre en cause les principes mêmes d'une chirurgie ambulatoire de qualité. Heureusement, la Direction générale de l'offre de soins, à la suite de concertations en septembre, dont l'Académie n'était pas étrangère, a accepté de revenir sur certaines dispositions néfastes et une circulaire correctrice devrait apparaître très prochainement. Le risque tout de même de cette chirurgie ambulatoire est que sa pratique un peu répétitive restreigne le contact entre le médecin et le malade, avec pour conséquence d'altérer les contacts, l'humanisme médical, qui doit être notre constante préoccupation. L'ingénierie tissulaire, la médecine régénérative, constitue un champ d'avenir indiscutable pour la chirurgie. Malgré quelques expériences de grande qualité, la France a un retard relatif dans ce domaine. À l'avenir, les chirurgiens devront obligatoirement s'impliquer pleinement dans la recherche fondamentale et appliquée. On peut penser que le remplacement des organes et des tissus bénéficiera grandement de cette technique, de ces techniques. Le développement de ces méthodes nouvelles aura par ailleurs une importance économique indiscutable. Le déplacement de l'Académie à Lyon a été, à mon sens, parfaitement réussi. Une vingtaine d'entre vous est venue ce jour-là. Cela a été un réel plaisir pour nous, Lyonnais, de vous accueillir. Nous avons pu faire connaître l'Académie nationale de chirurgie à des chirurgiens qui n'ont pas assez souvent l'occasion de la fréquenter. Cette réunion a donné lieu à des échanges et des discussions très amicales et même très chaleureuses. J'espère que, comme moi, vous en garderez un excellent souvenir. Nous avons reçu le Royal College of Surgeons de Londres le 23 mai. Cela a été l'occasion de comparer les pratiques différentes en ce qui concerne le training et l'organisation de la chirurgie en Grande-Bretagne. Les problèmes concernant le recrutement des chirurgiens sont identiques. Il en est de même pour la formation des jeunes chirurgiens. Mais les Britanniques craignent que les règles européennes qui restreignent les heures de travail soient difficilement applicables dans leur pays. Une séance particulièrement importante a été organisée à propos des dispositifs médicaux implantables. Il est apparu que la réglementation française est probablement trop permissive, ce qui peut occasionner de flagrants dysfonctionnements. Le sésame du marquage CE est insuffisant. Il faut renforcer la sécurité. Il est nécessaire d'améliorer la vigilance en matière de dispositifs implantables, concernant notamment le contrôle des procédures de fabrication, dont l'évaluation actuelle est insuffisante. Avant toute mise sur le marché, et la traçabilité ultérieure doit être améliorée. La déclaration des événements indésirables graves peut être améliorée. Il y a une sous-déclaration massive de ceux-ci en France. Il faut aussi améliorer la protection juridique avec notamment un signalement anonyme qui facilitera cette déclaration. La séance commune avec l'Académie nationale de médecine a concerné la chirurgie métabolique. Celle-ci a montré sa nette supériorité par rapport au traitement classique dans la prise en charge du diabète de type 2. Cette approche innovante demande encore à être validée, notamment en ce qui concerne les résultats à long terme. Il faut apprécier la balance bénéfice-risque et garder une attitude prudente en évitant tout engouement excessif.
La comparaison des différentes pratiques de la chirurgie à l'étranger a été très instructive. Elle pourrait être reproduite dans l'avenir. Il est apparu clairement des différences entre la France et les autres pays européens qui nous voisinent. Différences liées à une approche culturelle et à des mentalités différentes. En Angleterre, la santé est un don du ciel, la maladie est une fatalité. Le médecin essaye d'aider le malade à la conserver. En France, la santé est un droit. Et le médecin est souvent jugé coupable s'il y a un défaut dans le système de soins. Cependant, l'accès aux soins est certainement plus facile en France. La qualité des soins est assez uniforme et les listes d'attente sont moins longues. Par ailleurs, une différence flagrante est apparue dans le niveau de rétribution des chirurgiens français, qui est tristement au bas de l'échelle en comparaison avec les pays européens qui nous entourent. Il y a certainement beaucoup à apprendre de ces comparaisons avec les pays étrangers. La séance consacrée aux écoles de chirurgie a été particulièrement importante et utile. On assiste depuis quelques années à une éclosion des écoles de chirurgie en France. Il y a peu de temps encore, le troisième cycle des études médicales n'était pratiquement pas pris en charge par les universités. La situation évolue. Il faut adapter la formation des chirurgiens aux nouvelles technologies. Il est nécessaire d'adopter une formation standardisée. L'utilisation de la simulation est en pleine évolution, ainsi que l'utilisation de la réalité virtuelle. La preuve est faite que la simulation a un impact sur la qualité des soins. Elle devrait prendre une place croissante dans l'apprentissage de la chirurgie. Cela correspond d'ailleurs à une demande des patients qui ne souhaitent plus être des champs d'apprentissage. Il y a encore quelques points en suspens, tels que l'intégration dans le curriculum des études et la prise en charge financière de son coût, tant en ce qui concerne l'investissement que le personnel. Il me semble que l'Académie de chirurgie pourrait avoir un rôle important pour harmoniser cet enseignement sans se substituer aux universités, bien sûr, et pourrait le labelliser. Lors de la dernière séance, nous avons vu apparaître la neurochirurgie fonctionnelle du futur, bénéficiant de l'essor de l'imagerie fonctionnelle. Il est désormais possible d'opérer des patients éveillés en élargissant les exérèses pour tumeurs sans pour autant entraîner les conséquences fonctionnelles. La neurochirurgie prend même un nouvel essor dans le traitement des mouvements anormaux, des douleurs rebelles et de certains troubles psychiatriques. Je voudrais faire quelques réflexions concernant le fonctionnement de notre académie. D'abord, vous avez constaté que le changement des horaires avec un début désormais fixé à 14h30 permet d'allonger les discussions, de les rendre plus riches et plus conviviales. La transmission vidéo des séances est maintenant au point. Nous nous sommes rapprochés de la faculté et de la bibliothèque universitaire. La qualité peut être encore améliorée, à mon sens. Nous devons tous nous habituer à parler dans le micro. Je viens personnellement de revoir quelques séances enregistrées au cours de l'année et je pense que le taux croissant d'ouverture que l'on a pu constater témoigne du bien fondé de cette politique. L'accès est considérablement simplifié. D'ailleurs, la politique de communication de l'Académie tend à se professionnaliser. L'intérêt des médias pour l'Académie nationale de chirurgie est croissant, même s'il faut probablement améliorer le contact avec les journalistes qui sont tout naturellement attirés par les sujets polémiques et à sensation. Nous nous sommes attachés au cours de l'année précédente à rechercher une communication qui trouve son équilibre entre la réactivité et la réflexion préalable. L'Académie de chirurgie peut se prévaloir d'une meilleure visibilité. Je tiens à rappeler que les innovations chirurgicales peuvent y être présentées très rapidement, en début de chaque séance. Elles peuvent être argumentées et discutées par chacun d'entre nous, ce qui permettrait d'éviter quelques erreurs et excès que l'on a pu constater récemment par une médiatisation au grand public trop précoce. Les contacts avec l'étranger ont été favorisés au cours de l'année. J'ai déjà parlé de l'accueil du Royal College de Londres. Nous avons aussi, dans la séance consacrée à la chirurgie du foie, reçu des chirurgiens américains, belges, italiens, israéliens et chinois. Et nous avons invité très nombreux orateurs étrangers qui ont pu s'exprimer devant notre tribune. Il faut développer les relations internationales. L'ouverture de l'Académie vers les jeunes chirurgiens est une préoccupation très importante. Elle a été entreprise par mes prédécesseurs, a été poursuivie tant en ce qui concerne le forum de recherche AFC-ANC, la masterclass de chirurgie qui fait suite au congrès de l'ICAC,
la présentation des masters de recherche chirurgicale soutenus par la Fondation de l'Avenir, qui a été un réel succès cette année. Nous avons pu créer par ailleurs quelques groupes de travail qui réfléchissent notamment au référencement et à la recherche d'un impact facteur pour les e-mémoires, dont la qualité s'améliore indiscutablement grâce au travail de Bernard Andréassian et des membres du comité de lecture. L'actualité m'a conduit à créer un groupe de travail sur le thème de la vérité sur le métier de chirurgien. Certes, l'Académie n'est pas un syndicat, mais il est inscrit dans ses statuts qu'elle a un rôle de magistère moral en chirurgie et qu'elle est garante de notre métier de chirurgien. Il y a en effet beaucoup à faire pour corriger les erreurs que l'on peut lire dans la presse et qui sont à l'origine de critiques négatives concernant notre profession. Nos conclusions seront soumises au conseil d'administration, comme je m'y suis engagé, avant d'être diffusées. Une commission mixte, Académie nationale de chirurgie et Académie nationale de médecine, sous l'impulsion de Hirage Grangebach, s'est donnée pour mission d'étudier le parcours qualifiant des chirurgiens. Elle s'est réunie presque chaque semaine et le secrétariat en a été assuré par Henri Judet. De très nombreuses personnalités ont été auditées. Nous devrions être en mesure de vous soumettre les conclusions dans peu de temps. Enfin, je voudrais répéter mon souhait que notre Académie nationale de chirurgie devienne désormais la maison de la chirurgie. Et cette idée progresse puisque la Fédération des collèges de spécialité chirurgicale, présidée par Georges Mention, a désormais son siège dans nos murs. Les collèges de gynécologie, d'urologie pédiatrique et d'autres se réunissent désormais au Cordelier et certaines séances d'enseignement des DES-DESC ont lieu ici même. Je souhaite remercier sincèrement tous ceux qui m'ont aidé au cours de cette année. Nos précédents présidents, dont j'ai écouté les conseils, Henri Judet, notre secrétaire général, infatigable travailleur et organisateur attentif, avec lequel nous avons pu mettre au point un programme qui, je l'espère, vous aura plu. Je me dois de saluer notre entente qui a permis un travail en commun efficace. Notre trésorier, Georges Casanova, très vigilant sur les finances et en particulier le budget prévisionnel. Vous avez pu constater que les comptes de l'Académie sont en bon ordre, tant en ce qui concerne le compte courant que les comptes titres qui sont actuellement nettement positifs. Je profite de sa présence pour remercier une fois de plus Pierre Vert, dont la donation faite lors de la dévolution de l'actif de la Maison des Invalides devrait faciliter les projets ambitieux de mes successeurs. Un grand merci à Philippe Mahat, notre archiviste qui s'est investi dans la tâche avec passion, pardon, dans la tâche d'archiviste et a pu restaurer plusieurs ouvrages anciens. J'ai déjà cité nos deux secrétaires annuels qui ont rendu particulièrement vivantes les présentations des procès-verbaux de nos séances. Merci aussi à tous les membres du conseil d'administration, récemment en partie renouvelés, dont les avis ont été rigoureusement suivis. Une mention spéciale pour nos deux secrétaires administratifs qui répondent toujours parfaitement à nos exigences et anticipent parfois fort judicieusement nos propositions. Enfin, je souhaite remercier les sponsors anciens et nouveaux qui, par l'intermédiaire de Régie Média, participent à notre revue l'Académie de chirurgie magazine. Voilà, j'ai passé une année très heureuse, j'ai beaucoup appris. Les TGV ont facilité mon investissement dans la vie de notre compagnie. Et je suis certain que notre prochain président, François Richard, saura poursuivre et développer encore le travail entrepris. Nous poursuivrons le travail en trio avec le vice-président. Merci à tous et toutes et vive l'Académie nationale de chirurgie.